Super parcours, ça s'est vraiment bien passé, c'est une belle surprise parce qu'avant le coup je comptais pas trop être dans les trois premiers. On a eu un peu de chance, pas mal de chevaux qui ont fait la faute en partant. Mais bon, elle a été courageuse, elle a été bonne pour finir quand même, c'est une bonne peluche. Elle a eu un petit peu de mal à tourner sur la petite piste, dans la cuvette elle avait fait la faute. Et là on avait changé, on avait fait 2-3 réglages et c'était pas plus mal. Eric, c'était une course tactique avec Billy ? Ouais, très tactique. Hein. Je voulais pas aller devant, après je me suis fait piéger un peu dans les tournants, mais la jument a fourni vraiment une très belle ligne droite, donc je pense que c'est de bon augure pour le critérium. Avec des bonnes sensations au Suki ? Ouais, la jument elle est bien, elle est en forme. Maintenant, avant le coup, on courait caché, donc c'est pour ça que j'ai pas pris l'option de tirer à droite en montant. La jument elle court super bien, y'a rien à dire. Est-ce que tu t'attendais pas à l'avoir plus giclé que ça pour finir ? Mais on a giclé, contrairement à ce qu'on... Moi, la jument, elle a redonné un bon coup de rein sur la gagnante, on allait vite pour finir. Donc, rien à dire, mis à part qu'on est battu par une jument qu'on s'y attendait pas du tout avant le coup. Donc voilà, mais la gagnante, elle a été menée aux petits oignons, et puis nous, on a été bloqués un peu, et c'est là qu'on a perdu la course. Romain, troisième avec Bardan, le test est concluant ou pas ? Oui, ça s'est bien passé, mauvais parcours, mais elle a pas démérité, quoi. Mauvais parcours parce que bien parti après, piégé dans l'année tournant. Bah piégé, j'ai repris tout mon dernier virage pour revenir, alors j'ai arrêté pour repartir, alors c'est pas facile quoi. Mais après le poteau, elle est encore du gaz, elle est bien. Elle souffre pas beaucoup, au moral. On va voir ce que je vais faire après. On est obligé de penser au critérium après cette performance à 3ème dans semi-classique, c'est la suite logique ou pas? Bah, c'est la suite, oui, parce que j'ai pas de course fermée, j'ai plus rien, j'ai plus que ça à courir, alors je vais y aller. Et puis on va voir ce que ça dit, hein. C'est la première fois que j'ai couru un critérium, on va voir ce qu'on est capable de faire.